Votre maison est à vendre et vous ne trouvez pas d'acheteur? Aujourd'hui, Maison à Vendre va vous aider à trouver les solutions pour vendre vite. Votre maison, vous l'aimez? Vous y avez vu grandir vos enfants? Vous l'avez peut-être construite? Vous y avez tous vos souvenirs? Mais surtout, elle est à votre goût et ce n'est pas forcément celui des autres. Les futurs acheteurs veulent se sentir chez eux tout de suite. Or, chez vous, ce n'est pas chez eux. Aujourd'hui, le marché de l'immobilier est un casse-tête. Les acheteurs sont de plus en plus exigeants. De nombreux vendeurs se retrouvent avec leur maison sur les bras pendant des mois, voire des années. Pour vendre au plus vite, vous ne devez plus rien négliger. Dans Maison à Vendre, Stéphane Plaza et son équipe vous aident à mettre votre bien en valeur grâce à des améliorations peu coûteuses et aux conseils de professionnels. Cette démarche peut sembler surprenante, pourtant c'est le secret pour réussir sa vente. Investir un peu d'argent dans une maison à vendre peut être très utile. Acheteurs comme vendeurs y trouvent leur compte. Aujourd'hui, Stéphane Plaza a rendez-vous à Saint-Leu-la-Forêt dans le Val d'Oise avec Guy et Catherine qui n'arrivent pas à vendre leur maison familiale. On a adoré vivre ici, mais Guy étant à la retraite et mon chômage, nous n'avons plus les moyens d'entretenir cette maison. En 8 mois, le couple a eu plus de 40 visites. Ah ça, des visites, on en a eu, mais il ne se passe vraiment rien, sauf une offre bien en dessous du prix de la maison. À combien vous essayez de vendre cette maison? 340 000 euros, point final. 330, pourquoi pas? Attends, j'ai pas compris ce qu'il a dit, le prix. 330 000 euros. Mais tu déconnes, bébé, non, m'attends. Et la décoration de la maison est à l'image de ce couple haut en couleur. C'est spécial quand même, non? Ouais, je sais, c'est un fantasme. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est... mes cochons. Stéphane et toute son équipe vont rivaliser d'énergie et d'astuces pour tirer Catherine et Guy de cette mauvaise passe. Je peux avoir une réponse quand? Le délai, c'est un mois. Et si je vous demande en mariage? À Champs-sur-Marne, en Seine-et-Marne, Stéphane Plaza va voler au secours de Delphine et Baptiste. Le couple a mis sa maison en vente il y a 6 mois avec le projet de partir en Vendée. On voudrait élever les enfants un peu plus au vert, loin des bouchons du stress parisien. Mais tout s'accélère. Baptiste vient de trouver du travail à Nantes. Il part dans une semaine. Pour moi, c'est la panique parce qu'en fait, je ne me vois pas gérer les visites, les naïcs et puis ma grossesse de tout de front. C'est pas possible. C'est pas très encourageant parce qu'on n'a pas eu une seule visite. Donc, pas de visite du tout? Non, pas du tout. Pas de visite. Je suis curieux de voir cette annonce quand même. Il faudra me la montrer. Hein, De l'annonce immobilière au choix décoratif, tout est problématique pour la vente. C'est un papier peint en poutre. Eh oui. C'est sûr, Baptiste, t'as des belles culottes, mais on n'est pas là pour vendre tes culottes. Stéphane et toute son équipe ne vont reculer devant rien pour aider la famille à se retrouver en Vendée. On a sorti les grands moyens cette fois, hein? Je crois qu'on est ridicule, Stéphane. Mais non, on n'est pas ridicule, partout à Tisse. Bienvenue à Saint-Leu-la-Forêt, commune du Val d'Oise, située en vallée de Montmorency, à 20 km au nord de Paris. C'est l'arrivée du chemin de fer en 1876 qui a transformé la vie de ce qui n'était qu'une clairière de bûcherons. Aujourd'hui, sa gare permet de rejoindre Paris en moins d'une demi-heure. Les Saint-Loupiens travaillent pour la plupart à l'extérieur, mais profitent d'un village au patrimoine restauré, d'un commerce local dynamique et de nombreux lieux propices à la promenade. C'est ici que vivent Catherine et Guy. À vendre, maison de 131 mètres carrés, double séjour, 3 chambres, comble, jardin. Prix de vente, 340 000 euros net vendeur. C'est à Saint-Leu-la-Forêt que vivent Guy, 65 ans, et Catherine, 58 ans, avec leur chienne, Vicky. Tire pas, Vicky, tire pas. Il y a 23 ans, ils ont eu un coup de cœur pour cette grande maison de 130 mètres carrés où ils ont élevé leurs deux enfants, Cédric et Aurélia. Aujourd'hui, c'est leur petite fille, Lana, 19 mois, qui occupe tout leur temps. Nous sommes arrivés ici en juillet 90. Ce qui nous a plu dans cette maison, déjà elle était neuve, elle était grande. Nous sortions d'un appartement de 66 mètres carrés. Dans cette maison, vraiment, elle avait tous les atouts pour que nous l'achetions. Et cette maison a abrité tous les beaux souvenirs de la famille. C'est complètement la maison du bonheur. Mes enfants ont grandi ici. Les Noëls en famille se fêtaient ici parce que c'est la plus grande maison.
Il n'a plus de chocolat, chérie, et ça suffit. Donc, non, que de bons souvenirs. Aujourd'hui, Guy est à la retraite et Catherine est au chômage. Mais ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. Aubert, ma belle, Aubert. Catherine passe tout son temps avec Lana. Et Guy rejoint dès qu'il le peut son fils Cédric, prof de tennis, pour une leçon particulière. C'est bien, pense à bien souffler. Oh, 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 je l'ai raté. Bon, allez, on va s'arrêter. Ouais, ça va. Hein, ça suffit pour aujourd'hui. Bien joué. On est vraiment une famille unie. Je retourne encore manger chez ma maman. Tout simplement, je suis Tanguy, hein. Ouais, Tanguy ouais. Numéro 7 ouais, à 35 ans. Enfin bon, quoi qu'il arrive, j'y retournerai tant que mes parents m'accepteront. Hein. Bah oui, on doit assistance aux enfants, tu le sais bien. Alors c'est comme ça. Et puis tu me coûtes cher aussi. Hein. Cela fait seulement 3 ans que Cédric a quitté le nid familial et il est très nostalgique. Voilà, comme on peut voir, toutes mes coupes que j'ai gagnées durant mes nombreuses années de tennis. Mon papier peint avec mes petits vaisseaux qui représentent vraiment toute mon enfance. Voilà, je suis réellement attaché à cette maison pour toutes ces petites choses, vraiment. Le problème, c'est que cette grande maison nécessite beaucoup d'entretien. Or, dans 5 mois, l'indemnisation chômage de Catherine prend fin et le couple ne pourra plus compter que sur les 2000 euros de retraite de Guy. Nous allons vivre, si on déduit évidemment toutes nos charges, avec à peu près 1000 euros, ce qui paraît très insuffisant pour pouvoir vivre décemment. Guy et Catherine ont donc pris la décision il y a 8 mois de vendre pour acheter une plus petite surface. Ils ont eu plus de 40 visites sans suite, ce qui n'étonne pas vraiment leurs enfants. On peut regarder la tapisserie dans le salon. Je veux dire, ça commence déjà assez bien. Mais regarde, elle est d'origine. Mais il n'y a pas que la déco qui ne va pas. Moi, demain, objectivement, voilà, elle n'est rien pour moi. Je visite. Je me dis, il y a plein de choses à faire. Je pense qu'il aurait peut-être fallu aussi changer la moquette en parquet, par exemple. Mais le gros problème qu'il y a entre ta mère et moi, on est nul en déco. Le couple mise beaucoup sur les conseils de Stéphane Plaza pour vendre plus vite. Allez, à la vente de la maison. C'est ce matin que notre expert immobilier arrive à Saint-Leu-la-Forêt pour faire l'état des lieux de la maison de Catherine et Guy. Ah, c'est bizarre, ça, c'est petit. Très petit. Ah, ben c'est là. Bonjour, je peux me permettre de rentrer? Je vous en prie. J'ai trouvé facilement. Ah, ben parfait. On s'embrasse? On s'embrasse et on peut s'y tutoyer, ça serait sympa. Ah ben moi je préfère. Parfait. Ça te dérange pas, c'est Guy alors? C'est Guy, c'est ça. Très bien. Bonjour Stéphane. C'est sympa ici. Alors, c'est un tout petit passage en revanche. C'est un tout petit passage, qu'on appelle une sente. C'est très petit. Hein. C'est très petit, on ne peut pas accéder au pavillon en véhicule. Faut pas être trop chargé alors. Non, et puis il faut avoir de bons biscottos. Ça fait combien de temps que vous essayez de vendre? On essaye de vendre depuis 8 mois. 8 mois à peu près, d'accord. On a eu à peu près 40 de visites, même plus. Combien? À peu... 40 à peu près. Mais une seule offre. Simplement de 310 000 euros. 310 000 euros net vendeur dans votre net poche. Net vendeur, hein, mais on l'a refusé. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui? Pas du tout. Pas vraiment. Pas du tout, bébé. Bébé, tu l'appelles? Bébé, oui. C'est mignon, bébé. Et quand je suis en couleur, je l'appelle Guy. Pour bien comprendre, à combien vous essayez de vendre cette maison? 340 000 euros, point final. Non, il ne faut pas te parler d'argent. Hein. Clac. Hein, Léo, comme, hein, comme toutes les femmes. Comme beaucoup de femmes. Donc, 340... Oui. Qu'est-ce que c'est? Le train. Le train passe là? Oui. Et on voit le train? On voit le train. Et il y a l'avion aussi? Et il y a les avions aussi. Il y a l'avion aussi. Il est beau, celui-là. Alors, pour bien comprendre, actuellement, 340 000 euros net vendeur. Il y a une petite marge de négociation. 500 euros. Dès que je te parle d'argent, tu m'attaques, Catherine. Non, je plaisante, Dis ton avis, toi. Moi, personnellement... Mais laisse-le me parler. Je peux le mettre en garde. Oui, mais il peut me parler ce qu'il pense et tu peux ne pas être d'accord. C'est vrai que... Plus bas que 330, non, mais 330, pourquoi pas? Je laisse une porte ouverte. Qu'est-ce qu'il a dit, là? Il a dit qu'il laissait une porte ouverte à la négociation. Non, mais attends, j'ai pas compris ce qu'il a dit, le prix. 330 000. Mais tu déconnes, bébé, non, attends. Non, honnêtement, là tu exagères, bébé. Non. Dernier carat, 335. Pourquoi vous vendez alors? La principale raison, c'est que je suis au chômage actuellement, mes droits s'arrêtent dans 5 mois. Plus rien. On ne vivra qu'avec la retraite de Guy. Voilà. Donc il y a une vraie urgence. Tout à fait. Une vraie. Bon, bah je vous propose de rentrer dans la maison et puis d'analyser tout ça. On y va? On y va. Je vous suis, hein? Oui. Les premières secondes sont décisives pour un acheteur. Stéphane sait que tout peut se jouer dès l'entrée de la maison. On voit que c'est très bien entretenu. Mais, il y a un mais. Ouais.
Elle est immense, cette pièce. 18 mètres carrés à peu près. Ouais. Vous vous rendez compte que 18 mètres carrés, on perd de la place. Pour un acheteur, c'est de la place de perdu et donc de l'argent dépensé pour rien. Il faut trouver une solution pour l'aménager autrement. Parce que là, sinon, on se demande à quoi ça sert. Ouais. Et ça, c'est quoi? Alors ça, c'est un congélateur. Vous avez dans une maison qui fait 130 mètres carrés, un congélateur dans l'entrée. Voilà. Mais ça vous semble logique? On n'a pas de cellier, pas de cuisine. On a, mais c'est très petit. Moi, si on me dit, tu vas dépenser 340 000 euros, mais tu n'auras pas de place pour mettre un congélateur, je vais acheter la maison du voisin. Alors justement, est-ce que je peux passer à la cuisine pour voir cette cuisine et ce cellier? C'est par là. C'est derrière toi. La cuisine. Alors déjà, congélateur. C'est un cellier, ça. Oui, mais dis-moi, j'ai mis ma machine à laver. Il y a toujours des solutions. D'accord. Un congélateur, c'est dans un cellier ou dans une cuisine. La cuisine, elle est de taille correcte, elle est lumineuse, on a énormément de rangements, c'est plutôt un point très positif. Oui, elle est vieillotte, mais on va trouver une solution, c'est pas un souci parce que c'est vraiment des beaux meubles de qualité. Qu'est-ce que c'est que ça, c'est... Mes cochons. Qui craint le grand méchant loup, grand loup noir. Là partout, hein. Non, là-bas c'est des fèves, là c'est... Ah, là-bas c'est une collection de fèves, non, là. Non, j'ai pas l'esprit collectionneur, tout s'est fait par hasard. Peut-être qu'on va enlever les cochons et les cochonnes de la cuisine. D'accord. Direction le salon qui pourrait avoir raison de l'optimisme de Stéphane. On n'est pas parti, hein. Je comprends pourquoi je suis là. Il y a du boulot, hein. Cette pièce à vivre de 30 mètres carrés, pourtant très lumineuse, est envahie de meubles imposants. Et alors, une mention spéciale à ce papier peint. Ce papier peint, effectivement, est d'origine. On ne l'a pas choisi. Bon, c'est vrai que... Ça me rassure un peu. On n'a plus envie de ça, hein. Là, la maison, c'est pour les enfants, vous avez un petit... C'est une petite fille, oui. On peut rentrer à deux, tu vas voir l'espace que ça prend. C'est vrai qu'elle est grande. Ça prend du volume et de l'espace. Pourquoi c'est dans ton séjour alors qu'on essaye de vendre cette maison, qu'on a peu de temps et qu'on a un beau volume? Guy, tu m'excuses d'être rentré dans la cabane avec ta femme? Oui, non, pas du tout, je te pardonne. Stéphane découvre maintenant la chambre du couple. Avoir une chambre au rez-de-chaussée est censé être un atout pour la vente. Ouais, je sais, c'est un fantasme. Un fantasme, cette horreur? C'est spécial quand même, non? Et magnifique, faut dire ce qu'il y a, quoi. Oui, bon, oui. On peut rêver de temps en temps. Donc, tu dors quand même avec ce tableau au-dessus? Oui. Ça te dérange pas? En toute honnêteté, je ne le vois plus. Non, voilà, c'est plus ça. Eh ben ça lui plaît. Ça lui plaît à Catherine. C'est quand même une drôle de chambre que vous avez là, non? Elle n'est pas du tout moderne. Non, du tout, je reconnais. Alors, on va voir la deuxième chambre au rez-de-chaussée. Même constat dans cette pièce de 10 mètres carrés, elle est trop encombrée pour que les visiteurs puissent imaginer vivre dedans. Moi, je suis en train de visiter votre maison. On a quand même fait pratiquement tout le rez-de-chaussée. Je suis acheteur. Je commence à me dire, mais combien je vais rajouter dans cette maison pour la mettre au goût du jour? Et pour finir au rez-de-chaussée, la salle de bain qui a le mérite d'être lumineuse et fonctionnelle. Elle est de bonne taille. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à changer. Mais bon, elle pourrait passer. On passe à l'étage? On passe à l'étage. Je te suis. Le palier dessert des combles, une salle d'eau et la chambre de Cédric. Ah, c'est lumineux. Oh! Sarah Michel Gellert. Voilà. J'aimerais bien me faire vampiriser ou sucer le sang, moi. Hein. Ouais. Mais en tout cas, ce n'est pas le propos. Ici, la pièce est très grande, très spacieuse, mais on se demande ce que c'est. Depuis le départ de Cédric, la pièce est un immense fourre-tout. De quoi dérouter le visiteur. On a de la superficie, on a en plus une fenêtre de toit. Mmh. On peut en faire quelque chose de super. La salle d'eau mansardée de 5 mètres carrés n'est pas très séduisante, mais on peut facilement la valoriser. On pourrait faire du blanc. Là, ça éclairerait la pièce. Elle la ferait moins étriquée, moins encaissée. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? La pièce aveugle. Eh bien, allons-y. Allons-y. Cette pièce est un non-sens pour la vente. Le sol est à faire, les murs sont bruts et ses 25 mètres carrés ne bénéficient d'aucune lumière naturelle. Une chose est sûre, on ne peut pas laisser cette pièce comme ça en pièce aveugle sans fenêtre. De toute façon, il faut déjà essayer d'apporter de la lumière et la transformer en chambre. À l'étage, je dois avoir minimum
deux chambres. Et pour l'instant, j'en ai aucune. Fin de la visite, Catherine et Guy avaient besoin d'un regard extérieur sur cette maison à laquelle ils sont tant attachés. Finalement, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans cette maison. C'est vrai qu'on s'en était pas rendu compte. C'est vrai que tu nous ouvres les yeux. C'est vrai qu'effectivement, on aurait dû réagir avant. On ne l'a pas fait. 40 visites, tout le monde est parti. Je les comprends. Parce qu'on a quand même ce problème avec ce petit chemin. Donc, votre maison, elle doit être moderne. Pour qu'on se dise, bah, au moins la maison est impeccable. Là, c'est loin d'être le cas. On va donc rattraper les 23 ans que vous n'avez rien fait dans cette maison. Mais on t'attendait. Eh bien, je vois bien, mais ouais. La prochaine fois, je viendrai plus tôt, j'aurai moins de boulot. Voilà. Je vous laisse. Je vais en face, je vais prendre le train. C'est Sophie Ferjani, décoratrice d'intérieur, qui va s'atteler à transformer la maison de Catherine et Guy pour la vente. Sa mission, moderniser et redonner une fonction claire à chaque pièce, le tout avec un budget limité. Dès le lendemain, Stéphane et Sophie se retrouvent pour plancher sur le dossier de Catherine et Guy. Là, on a une pièce de 25 mètres carrés qui est complètement aveugle. Mon avis, tu me dis ce que tu en penses, ça serait déjà de mettre une fenêtre de toit. Donc tu récupères de la lumière, c'est plus une pièce qui est aveugle. Ça, c'est génial, mais ça va nous coûter un petit peu d'argent. Une fenêtre de toit, ça coûte environ 330 euros. Et après, effectivement, il nous faut quand même une journée de main-d'œuvre pour la poser, l'étanchéité et tout. Donc, plus la main-d'œuvre, ça va nous coûter à peu près 1000 euros ou un peu moins, si on a une bonne surprise. Oui, c'est ça. Mais déjà, là, on aura fait vraiment notre travail de home-staging, c'est de rendre une fonction à une pièce. D'accord. Un grenier deviendra une chambre. Alors, attention, parce qu'il faut quand même un dossier, là. Hein. Je sais, Steph, t'inquiète pas, j'ai anticipé. J'ai imprimé le dossier de la déclaration préalable de travaux. Donc, c'est pas un permis de construire dans ce cas-là, donc ça va. Je remplis le dossier, je le dépose. Bah ouais, ce serait sympa. Ouais, je vais tout te faire, ma Sophie. Tu peux commander la fenêtre. Gentil. Bah je commande la fenêtre. C'est ce que je voulais entendre, Stéphane. Tu vois, j'ai qu'à envoyer mon petit mail, il était déjà préparé. Ah, tu l'as déjà préparé? Oui. Chez Pitou. Mais c'est que je te connais, je savais que tu allais dire oui. Non, c'est très bien cette fenêtre. Non, mais très, c'est bien. Très bien. Pour un budget investi, certes, on récupère 25 mètres carrés. Très, très bien. Chose promise, chose due, Stéphane dépose la déclaration de travaux à la mairie. Une démarche nécessaire quand on décide de modifier la façade de sa maison individuelle. Bonjour mesdames. On travaillait pas trop, hein. Il fait bon quand même. Hein. Bon, je voudrais pas vous dissiper. Je viens vous voir pour installer une fenêtre sur une pièce aveugle. Je vous laisse regarder le dossier si j'ai pas fait de bêtises. Je vais contrôler. Contrôler, hein. Le délai légal, c'est combien de temps normalement? C'est... Un mois. Un mois. Si je pouvais avoir la réponse avant, parce que en fait, je viens aider un couple qui est un peu dans la panade. Peut-être sous 15 jours, 3 semaines, mais c'est les délais légaux. D'accord. Si je vous apporte des gâteaux au chocolat? Non, ça ne marche pas. Si je vous apporte des fleurs? Non plus. Si je vous demande en mariage? Ah, peut-être que je vais changer d'avis. Oh. Ah, eh bien écoutez, si c'est dans 15 jours, je vous épouse. D'accord. D'accord. Merci de votre gentillesse. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Bon travail, hein. Merci. Bon à savoir, si vous aussi vous décidez d'ajouter une fenêtre de toit sur une maison individuelle, une simple déclaration de travaux est suffisante. Vous devrez joindre un certain nombre de pièces, comme un plan de situation du terrain ou encore les plans des toitures. Puis envoyez votre dossier en deux exemplaires par lettre commandée avec avis de réception ou le déposez à la mairie de votre commune. La mairie vous délivrera un récépissé avec une date. Date à partir de laquelle vous pourrez commencer vos travaux si vous n'avez pas eu d'opposition entre-temps. Le délai d'instruction est en général d'un mois. Après avoir trouvé des astuces et réfléchi aux transformations, Sophie vient présenter son travail à Catherine et Guy. Quand on fait de la décoration, on doit écouter les gens pour faire une décoration qui leur ressemble. Quand on fait du home staging, on doit écouter la maison pour faire une décoration qui ressemble aux acheteurs. Et pour séduire ses acheteurs, Sophie frappe dès les extérieurs en repeignant les boiseries en gris anthracite et en ajoutant des caillebotis sur la terrasse. Tout de suite, on a l'impression que c'est une maison plus d'architecte, une maison moderne. Quand je pousse la porte d'entrée, j'ai trop de mètres carrés qui sont inutilisés. Et moi, j'ai besoin de donner le ton de cette décoration que je veux industrielle. Le carrelage démodé sera donc recouvert par un sol en vinyle façon béton ciré. Et pour optimiser les mètres carrés de cette entrée, Sophie va lui donner une vraie fonction en disposant un bureau d'écolier et des meubles de rangement colorés. C'est quelque chose qui va donner l'image d'une famille moderne et cool. On a tous envie de s'identifier à cette famille et c'est le but du jeu. Ça me plaît énormément. Ah bon? Ah oui, c'est assez. Bah, c'est tant mieux.
Le séjour. Vu depuis votre double porte, on est encore en plein dedans du style industriel. Du béton, du bois, du métal. Ce sont les codes forts. Des touches de couleur pour la bonne humeur, il y a des pointes de rouge. Pour une circulation plus fluide avec le jardin, Sophie va installer le coin salon devant la baie vitrée. Je récupère le canapé en cuir noir qui est à l'étage, qui descend. Ah d'accord. Donc lui, il va bien aller dans notre déco. Dans la cuisine, là, je vais vraiment travailler avec l'existant. C'est purement du upstaging. Pour faire basculer cette cuisine dans le style industriel, Sophie va poser un enduit en béton noir sur le plan de travail et la table et des plaques d'alu brossées sur la crédence. Vous allez voir qu'avec trois fois rien ici, on va vraiment la transformer, cette cuisine. Évidemment, le congélateur, il sera dans le cellier. Exactement. La suite. Salle de bain. Elle passe aussi dans les styles un peu industriels. On va rajouter en fait un plan de travail sur le meuble actuel. On va rajouter une nouvelle vasque noire. Et là, en fait, je vais repeindre avec une peinture résine en couleur un peu métal le contour de la baignoire. Et la baignoire et les carrelages muraux, eux, ils sont repeints avec une résine blanche. Donc ça vous va ou pas? C'est parfait. Pour l'instant, j'avoue que... Pour l'instant, ça va. Tu as fait du très bon travail. Dans les deux chambres du rez-de-chaussée, Sophie va surtout changer l'aménagement pour les rendre plus séduisantes. À l'étage, Cédric peut dire adieu à sa moquette bleue électrique. On va mettre du jonc de mer qui est beaucoup plus moderne, c'est la version contemporaine de la moquette et c'est naturel. On va mettre du blanc sur les murs, sur les plafonds, sur les poutres pour vraiment donner de la lumière. L'aménagement sera volontairement épuré pour montrer le volume de la pièce. Évidemment, on a enlevé le poste informatique pour le transformer en vraie chambre. D'accord. Il y a des concessions à faire quand on vend et surtout quand on est pressé de vendre à un bon prix. Alors, ça, c'est votre grenier. Stéphane, il a œuvré pour nous à la mairie. Il a tous les accords en un temps record. Ça va nous rapporter de la lumière. Et pour les acheteurs, on va en faire une vraie chambre. Sophie va donc décorer cette grande pièce dans un esprit chambre d'enfant. Il y a quand même une grosse subtilité sur ce dessin. Oui. Ah, attention. C'est que là-haut, il y a deux cochons. C'est un petit clin d'œil. Oui, là, elle a décidé de garder cochon-cochonne. Exactement. Pour finir, la salle d'eau en bon état sera repeinte en blanc pour apporter de la luminosité. Alors, vous en pensez quoi dans l'ensemble? C'est très bien, c'est épuré, c'est clair, c'est parfait, je te félicite. Bah, merci Catherine. On vous laisse ça, on y va. Ce matin, on vide la maison en prévision des travaux. Mais Stéphane n'a qu'une idée en tête, s'échauffer avant de rencontrer Cédric, le fils de Catherine et Guy, prof de tennis. Quiche! Hey, doucement, oh! Hey, je suis pas mauvaise en fait! Ouais, Sophie, t'es bonne là! Ouais, merci! Ah non, Sophie, non! On arrête, y'a plus de balles! Allez, on y va! Bonjour. Bonjour! Bonjour! Vous pouvez rentrer? Ouais, oui! Je vous en prie! Ah, c'est le fils, c'est le joueur de tennis! Oui, c'est lui! Ah, très bien! Et alors le grand? Nicolas Mongendre! Très bien! Ma fille Aurélia. Oui, 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 oui. Et ma petite fille Lana. Nous, on s'est bien échauffés. Maintenant, j'espère que vous aussi, vous êtes prêts parce qu'il y a du boulot à l'intérieur. Allez, okay. Allez, go. Allez, go. On a un bâton, là. Première étape, sortir tout le mobilier rustique du salon qui sera entreposé dans un garde-meuble en attendant le prochain emménagement de Catherine et Guy. Qui en dresse la table dehors? Mais t'as raison, on va manger là, sur le tapis. Laissons Catherine à son dressage. Stéphane et Cédric, eux, ont pour mission de remettre la cabane à sa juste place, celle du jardin. Ça passe pas là? On va la soulever. Faut que tu passes par l'arrière, enfin. En fait, qu'est-ce que tu lui proposes? Non, mais lève, vas-y. Elle pousse Stéphane un peu. Oh la vache. Et ben voilà. Allez. On garde le rythme, le salon est loin d'être vidé. Moi je prends l'œuvre d'art. Non, Catherine. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que... Catherine? Un petit coup de poussière, non. Bah c'est pour ça que tu le portes ton œuf. Je te laisse l'emmener. Merci. On le garde pas l'œuf, hein? Ah, oh, je suis pas sûre. Catherine, les cochons sont là. J'arrive. C'est dur, hein, Yaya. Regarde, tout ça, c'est ton séjour. Hein. Ah, mais je le quitte avec regret, là. Pendant que les garçons font relâche, les filles s'attaquent à la collection de cochons et cochonnes de Catherine. Mais ils sont quand même originaux, hein. Il y a un peu de tout dans le style. On a du Marie-Antoinette, des années 60. Mmh. Il y a même des petits cochons, des vrais cochons. Je sais pas si là, il est pas très... Ouais, c'est pas très propre, tout ça. Ben oui. Stéphane profite que Sophie ait le dos tourné pour mesurer ses talents de tennisman à ceux de Cédric. T'es prêt? Oh, allez. Oui. Oh là là, incroyable. Ah, je suis un peu furieux, faut pas que je m'en bats là, hein. T'as vu? T'as pas un œuf?
Je te le rendrai pas, je te préviens. Pas de soucis. Bon, je reviens, continue. Ouais. Vas-y, vas-y. Stéphane ? Je vais y aller plus doucement, regarde. Allez. Hop, voilà. Donne-moi cette balle. Oh. Stéphane, j'ai pas couvert de toi. Au moins, est-ce que tu tires bien ? Ah oui. Démonstration, t'es prêt ? Ouais. Attention, vas-y. Oh, merde, Sophie ! C'est un œuf ! Allez, vous rentrez, ça fait une heure que je vous regarde par la fenêtre. Non, mais oh ! Et t'as de la chance, tant que je te casse pas l'autre sur la tête. Fini de jouer, il faut encore dépersonnaliser l'ancienne chambre de Cédric. Hop là, regarde, hop là. Le déménagement est terminé. Face à sa maison vide, Catherine a le cœur lourd. C'est 23 ans de ma vie qui s'envolent un peu et oui. Ça me fait mal au cœur, c'est vrai. En même temps, c'est une page aussi qui se tourne et c'est pour le bien-être de tous. On sait que c'est très difficile pour vous. Mais on n'a plus le choix, il y a une urgence. Et demain, on continue, Sophie, parce qu'on attaque les travaux. On va aller se reposer et on se retrouve ici demain, première heure. Ça vous va ? Allez, on y va. Allez, go. Stéphane et Sophie commencent cette journée de travaux en posant le panneau d'autorisation de la mairie pour la fenêtre de toit. Comme ça, on avertit les voisins des travaux que l'on fait. Ah ben, il y a de la main d'œuvre, dis donc, il y a un jeune homme. Tant mieux. Virgile, bonjour, un très bon copain de Cédric. Bonjour. Allez, faites rentrer le chien, venez. On y va. Allez, on perd pas de temps, vous avez déjeuné, hein. Oui, oui. Ah oui. Alors, il y a beaucoup à faire à l'intérieur. D'ailleurs, Catherine, tu vas m'aider à customiser, à relooker la cuisine. Et vous, les garçons, je vais vous demander de vous attaquer aux extérieurs. Alors, Guy, même si ta maison, elle est impeccable, qu'elle est bien finie, je voudrais, quand on arrive, qu'on ait une sensation de maison d'architecte, de maison beaucoup plus contemporaine. Pour ça, l'astuce toute bête, ça va être de repeindre les menuiseries. Vous voulez bien vous y coller, les garçons ? Bien sûr. Allez, go. Bon, allez, hop, on attaque, Guy. Allez, c'est parti. Hop là. Sophie a choisi une peinture grise dans l'esprit du style industriel. Ça fonctionne, vous ? Parfait, parfait. On avance vite en plus, hein. On avance plus vite que vous, hein. Le mec, il est quand même parti il y a 2 ans de chez toi, hein. Et puis maintenant, il va nous donner des leçons. La jeunesse est impétueuse, hein. Ouais, mais t'as vu, je réponds pas à la provocation. Ça va, ça se passe bien ? Très bien. Très oh bien, ouais, ouais, super. Super. T'as fait quelques coulures là-haut, hein. Ah, et puis dis donc, mon cochon, pourquoi tu repeins les murs là ? Ah, je suis pas très doué, hein, je pense pas. Hein. C'est aux mains qu'on voit les bons ouvriers. Tiens, regarde. Ah. Fais voir toi. Oh là 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 là, j'ai tout à apprendre, hein, vraiment. Dans le séjour, les murs ont été déjà détapissés. Logiquement, il faudrait les réenduire, puis les peindre, mais Sophie a une astuce, un enduit de rénovation malin qui permet de faire d'une pierre 2 coups. Grâce à cet enduit, on va à la fois combler des trous s'il y en a, et on va à la fois décorer puisqu'il est déjà teinté, et donc on aura un aspect fini qui sera impeccable. On dépose sur sa spatule comme ça du produit, et puis ensuite on va venir l'étaler comme ça, l'écraser, et on mettra 2 couches. Hein. Alors que Catherine et Guy appliquent consciencieusement les conseils de Sophie, Stéphane, lui, tente une autre technique. Et hop ! Oh, espèce de cochon ! Tu vois ? Moi, je travaille à la perfection, regarde. Bah, là, regarde toutes les marques que t'as, là. Oui, c'est ton coin, ça, c'est pas le mien. D'ailleurs, tu vois, j'ai le rectifié. Bon, bah, vous savez quoi ? Moi, je m'en fasse. Si vous voulez vendre la maison au bon prix, on fait du bon travail. Ok. Regardez. Ça, c'est lisse. Wow. Guy, pour transformer ta salle de bain qui est assez démodée en une salle de bain moderne et contemporaine comme celle-là, il va falloir repeindre notamment ta baignoire. Plutôt que de racheter une baignoire, on peut la repeindre directement et sans sous-couche avec cette peinture à base de résine. Adieu la baignoire bleue, Guy. Oh, c'est bien. Je te rappelle quand même que pendant 7 jours, tu évites de déplacer de la poussière, que ça ne vienne pas adhérer là-dessus. Et bien sûr, tu ne peux pas l'utiliser. Hein. 7 jours. Ah ben, je ne me laverai pas, là, je reste dans la salle, aussitôt. C'est la douche à l'étage. Hein. Ah, mais c'est pas grave. Les sols maintenant. Sophie montre à Guy et Cédric le produit qu'elle a choisi pour moderniser tous les sols du rez-de-chaussée. C'est un sol en vinyle. Le but en fait de ce produit, c'est qu'on peut le mettre en recouvrement sur l'ancien carrelage et qu'en fait la sous-couche, elle va épouser les différents niveaux du sol, les aspérités des joints. Donc maintenant qu'on l'a étalé, on va le couper. On utilise cet outil, c'est un araseur. Donc le principe, c'est qu'on vient plaquer contre la plinthe et ça va faire une belle ligne droite. Et il y a le petit crochet qui coupe lui en passant. Hop. Voilà, toi, c'est très bien. C'est parfait. Il a une confiance en lui, sinon il va revenir à la maison. Oui, bon, c'est très bien, Cédric. Très, très bien. Très, très bien. Bravo. Merci beaucoup. Dans la cuisine, Sophie va montrer 2 astuces très homestaging. Ça commence par le relooking de la crédence avec des carrelages adhésifs à 1,50€ pièce. T'as vu, regarde. Ah, c'est magnifique, c'est dingue. Tout de suite, c'est plus clean, plus zen. Ah. Tu veux un autre truc qui n'est pas grand-chose à faire ? Regarde, ouvre tes yeux. Ouais. Regarde bien ce que je veux faire.
Tu vois ce truc là qui fait ringard? Ouais. La petite barrière à cochon là. C'est pas plus joli comme ça? Si, c'est vrai. Mmh. Bah voilà, Cathy. Je jette, t'es d'accord? Oui. Allez-y. À l'étage, Stéphane a fait appel à des professionnels pour poser une fenêtre de toit dans la pièce aveugle. Il vient admirer le résultat avec Catherine. T'as vu l'ouverture? Ah là là. Ah, comment ça se passe les gars? Ça se passe bien? C'est bien. Dingue. Bah c'est dingue. Démentiel, je t'assure. On va enfin, pour l'acheteur, récupérer des mètres carrés. On va en faire une vraie chambre. Hein. Ça me laisse sans voix. Et un problème de plus de régler pour la vente. Et voilà, regarde. Ah, génial. Là, c'est bien parce que tu vois ton jardin. Oh là là. Regarde. À ma portée, tout impeccable. Il reste encore plusieurs jours de travaux. Ce matin, le nouvel aménagement est terminé à quelques détails près. Salut Catherine. Bonjour Sophie. Tu bois ton petit café? Ah, un avion. Arrête de les taquiner avec ça. Mais je les taquine pas, je les prépare. C'est vrai que vous n'entendez plus les bruits, les avions, le train. Un acheteur, lui, va être sensible à tout. Et c'est pour ça que le home staging prend la relève. Il faut qu'on cartonne, il faut qu'on ait un vrai coup de cœur. Et ça, des extérieurs. Parce que c'est vrai que quand on a un coup de cœur, il y a plein de défauts qu'on ne voit plus. Tu vois, par exemple, Stéphane, il est tellement sympathique qu'on oublie d'autres choses. Voilà. Et puis, on se dit, mais non, il est svelte. Alors qu'en fait, plus du tout, au bout de plusieurs années. Mais on s'en rend plus compte. Voilà. Dès les extérieurs, Sophie a donc voulu charmer le visiteur en repeignant les menuiseries en gris industriel et en posant des dalles de caillebotti sur la terrasse. Et pour inciter à la farniente, elle a installé un salon de jardin à 300 euros et ramené de la gaieté avec un pot fuchsia à 60 euros et une table de jardin vert anis à 50 euros. Et vous le verrez aussi, de l'autre côté de la maison, on a installé des transats et tous les jouets de votre petite fille pour un petit coin un peu plus intime où on se sente bien, on puisse se détendre sous une petite tonnelle. On y va ? Allez, viens. Bah, laisse le chien un peu gambader dehors, qu'il profite de ce jardin. Puis nous, on rentre. C'est pas ma maison, c'est pas possible. Puis vous allez voir, il n'y a plus de congélateur parce que le congélateur est vraiment parti dans le cellier. Il fallait absolument rentabiliser les 20 mètres carrés de cette entrée. Sophie a choisi de lui donner une double fonction, celle de bureau avec cette table d'écolier chinée et celle de rangement avec des modules plus adaptés à l'espace. Ce dressing-là, il s'intègre dans le mur, donc en fait, il s'efface. Ça, c'est la première astuce. Et ensuite, il vous tourne le dos quand on entre. Donc déjà, il ne vous saute pas aux yeux. Par contre, eux, ils vous sautent aux yeux, mais c'est volontaire. Puis je les ai choisis de couleur en plus pour vraiment rythmer l'espace et apporter du rangement. Et c'est très logique avec une zone de bureau pour les papiers de la maison, les livres, les DVD. On peut tout ranger ici. Ça fait beaucoup plus jeune, quoi. Chaleureux. Chaleureux, chaleureux, je crois que c'est le terme exact. Et puis disons que l'espace est bien rempli. Direction la cuisine. Ah. Oh. Alors. C'est fou. Il y a peu de choses qui ont été faites, sauf que ça change tout. 10% de modifications changent 100% du résultat. Donc ces petits carreaux, on les a collés ensemble. Et ce qu'on a fait ensuite, c'est que sur ta crédence, comme sur la table qui était carrelée, on a mis un béton ciré et une résine de finition. Et donc on a un rendu du coup qui est noir, qui est beaucoup plus facile d'entretien, mais qui est hyper contemporain. Sophie a aussi installé un évier noir en résine à 100 euros et repeint tout un pan de mur. Alors ça, c'est de la peinture à tableau noir. Ça coûte 15 euros un petit pot, il m'en a fallu seulement deux. Et ce qui est génial, c'est qu'après, tu peux écrire à la craie, effacer. Voilà, ça, ça donne le ton. J'ai plus ma collection de cochons, mais alors devant le résultat, je dis tant pis pour mes cochons. Quant au congélateur, autrefois dans l'entrée, il a enfin trouvé sa place dans le cellier. C'est quand même mieux là, non? C'est sûr. Et pour la vente, ça nous aide. Hein. Allez, vous suivez? Le double séjour de 30 mètres carrés a été désencombré pour gagner en volume et en luminosité. C'est fou. Un effet accentué par l'enduit de rénovation gris pâle sur les murs. J'ai l'impression que la pièce est beaucoup plus grande. Donc j'ai rajouté, toujours dans ce style un peu industriel, du métal, du bois, des matières brutes, comme le tapis en coco ici, et du ciment que vous retrouvez au sol, qui est celui de l'entrée de la cuisine qui file partout sur le rez-de-chaussée. Sophie a réaffecté ici le canapé de l'étage et elle a investi dans du mobilier plus adapté à la cible des acheteurs. Une table basse à 80 euros, un meuble télé à 150 euros et deux fauteuils club à 160 euros pièce. C'est une somme d'argent, mais on séduit l'acheteur et après on emmène dans la nouvelle maison.
C'est ça aussi le homestaging. Côté salle à manger, Sophie est restée dans les mêmes matériaux avec cette grande table familiale à 250 euros. J'ai agrémenté autour avec mes tabourets à 25 euros et j'ai agrémenté avec un banc aussi qui fait familial. On met des coussins dessus et tout de suite on a un petit côté beaucoup plus gai et ludique. Ça me plaît comme ça parce qu'il n'y a pas de surcharge, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'aéré. On continue ? On continue. On va aller voir les chambres parce que la moquette de Guy a disparu. Cette pièce ne nécessitait que quelques ajustements. Sophie a remplacé les anciennes portes démodées du dressing par un simple rideau à 7 euros et investi dans du linge de maison blanc. On a simplement en fait changé ce sol par un sol PVC qui est très facile à poser parce que c'est des rouleaux de 4 mètres, c'est environ 15 euros le mètre carré et c'est aussi joli qu'un sol en stratifié, c'est même mieux. Et puis en une heure, c'est fait. Hein. Allez, on continue. Attention. Ouh, voilà. Wow. La deuxième chambre du rez-de-chaussée était celle de leur petite fille, Lana. Ici, c'est l'aménagement qui fait toute la différence. Là, on en voit comme code, chambre d'enfant, bureau ou chambre même d'adulte, mais on monte de l'espace, du volume. Et franchement, ton papier peint, même s'il est très démodé, on l'oublie. Pour finir au rez-de-chaussée, la salle de bain. Voilà, ça change. Ça n'a plus rien à voir. Pour rajeunir la pièce, Sophie a investi dans un plan de travail en bois massif à 50 euros, une vasque façon granit à 150 euros et un miroir à 39 euros. Et tout ça, en fait, ce sont des petites astuces qui font que ça bascule dans un côté industriel. Puis ce sont des choses qui, normalement, ne sont pas faites pour la salle de bain. Vous voyez, comme ça, c'est un rangement pour le bureau. Bah, tout d'un coup, c'est rigolo. On y va ? Allez, on passe à l'étage. Allez, Catherine, hop. Les 30 mètres carrés de l'ancienne chambre de Cédric sont enfin mis en valeur par les tons clairs sur les murs et le sol en jonc de mer. Ici, Sophie a voulu un aménagement épuré sans pour autant négliger la fonctionnalité. Là, on a des commodes, donc plein de rangements. Des commodes qui m'ont coûté chacune 70 euros, il y en a deux. Donc ça montre du rangement et ça, c'est plutôt important. Cette commode, du coup, fait une tête de lit. J'ai rajouté un papier peint au dos. Vous remarquez un petit peu l'originalité aussi de mon sommier. Ce sont des palettes que j'ai récupérées. Et j'ai mis le lit au milieu de la pièce. Donc ça vient sublimer le volume de la pièce. Allez, moi j'aurais eu cette chance, je dis que j'aurais fait des enfants, moi, ici. Dans la salle d'eau, il a suffi de repeindre en blanc et de remplacer la porte de douche impraticable par un rideau pour présenter une pièce qui convienne aux visiteurs. Et pour finir la visite en beauté, direction l'ancienne pièce aveugle. Wow. La pièce où je repassais. On gagne pour la vente une deuxième chambre à l'étage. Pour la meubler, Sophie a choisi un lit superposé à 149 euros et un tapis à 70 euros. Et alors cette ouverture, là, effectivement, c'est formidable. Elle est très 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 claire, cette pièce. Une chose est sûre, c'est une pièce aveugle, c'est pas vendeur du tout. Et là, on en a fait une pièce lumineuse, éclairée, aérée, avec une fenêtre de toit. Et surtout, on la transforme en chambre. La mission de Sophie est terminée. C'est une maison totalement différente que Catherine et Guy vont remettre en vente. On a un salon salle à manger vivant. On a 4 chambres. On a 2 salles de bain. Évidemment, maintenant, il nous reste quoi ? Aller voir les professionnels de l'immobilier. Moi, je vais retravailler l'annonce. 340 000 euros. Net vendeur dans ta poche, c'est vrai que vous avez eu plus de 40 visites, ça veut dire que vous êtes sans doute au prix du marché. N'oublions pas quand même qu'il y a 3 choses qu'on ne peut pas modifier avec le homestaging. L'avion, le train et ce petit passage. Peut-être que vous aurez des offres à 325 000 euros net vendeur, 330 000 euros net vendeur. Je pense qu'il faudra réfléchir. La maison est magnifique, mais le reste, on ne pourra rien faire. On peut dire au revoir à Sophie, elle a terminé son travail. Au revoir et merci. Je pense qu'elle mérite une bonne note. Hein. Merci. On en remercie infiniment. Au revoir, Cathy. C'était un plaisir de faire ça pour vous. Merci à vous. Le congélateur reste dans le cellier. Promis, on ne touche rien. Allez, on y va, Sophie. Par ici. Pour métamorphoser cette maison, Sophie a dépensé 2400 euros en meubles et accessoires et 4500 en peintures et matériaux. Au total, 6900 euros, soit 2% du prix de vente. Quinze jours plus tard, Stéphane est de retour pour les visites. Bonjour ! Comment ça va les ancêtres ? Ça va ? Ça fait plaisir de vous avez bonne mine ! Non mais c'est beau la retraite ! Oh vivement que j'y arrive ! Ces 8 derniers mois, Catherine et Guy ont eu plus de 40 visites et une seule offre bien en dessous de leur prix. Ils attendent donc beaucoup de cette journée. Alors ce qui est positif, c'est qu'on a 5 visites aujourd'hui, 6 personnes n'annulent. Donc 5 possibilités de vendre cette maison.
attention, il y a beaucoup d'avantages et il y a quelques inconvénients où on ne peut pas jouer, où le homestaging ne peut pas intervenir. L'avion, le train, la sente, on ne peut rien faire, on le sait. On est d'accord ? On est d'accord. Bon. Le ballet des visites peut commencer. Bonjour. 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 Là, vous avez une petite terrasse ? C'est superbe. Ça donne envie de s'asseoir. Je ne sens pas du tout... Étriqué. Étriqué, oui. Voilà. Passer par une entrée, c'est vraiment agréable. Parce qu'il y a quand même beaucoup de maisons qui n'ont pas d'entrée. Oui, il y a pas de rangement. Hein. Regardez. Hop. Il faut mettre les chaussures. Hein. Il y a beaucoup de chaussures, hein. Ah oui. Ça vous convient, la taille ? Oui, oui. Ah oui, la taille. Donc. Ouais, c'est vraiment ça. Je trouve ça un peu vieillot. Ça fait, je sais pas, j'ai l'impression d'être chez mes grands-parents, quoi. Non, mais... ça fait plaisir. Non, non, je voulais pas, je suis désolée. Des grands-parents, je sais pas si t'as entendu. Non, mes parents, je me reprends. C'est pas ses parents, c'est ses grands-parents. On peut écrire des mots doux, etc. Non, mais voilà. Je t'aime à ce soir, voilà. Tu me le manques déjà. Là, je me sens vraiment dans un espace jeune, moderne. Ouais. Vraiment, qui peut nous convenir fortement. Vous aimez bien ? Oui, ça fait rétro, la déco, j'aime bien. Oui. Le sol est très joli, j'aime beaucoup. 31 mètres carrés, oui. C'est bien, parce qu'en dessous de 30, nous, c'était le critère. Un petit peu rédhibitoire pour une grande maison. Salle de bain. Sympa, moderne, j'aime bien. C'est très joli, j'aime beaucoup aussi la vasque, ouais, c'est très original. Waouh ! Elle est super jolie. Ouais, elle est super grande. C'est ma chambre. Non. Ça va être la mienne. Il y a du volume, je la pensais pas si haute en fait, vous voyez. Oui. Ça vous plaît ? Oui. Ouais, oui. Ouais, beaucoup moi. Beaucoup. Encore une grande surface. Oui. La superficie est bien. Pour une chambre d'enfant, il y a des rangements, il y a de la place pour mettre les jouets, c'est lumineux. Ah super. Oh, vous avez les yeux qui pétillent. Ah oui, complètement. Complètement. C'est très joli. Ça vous plaît ? Ouais. Ouais. Oui, magnifique. Complètement, ouais. Alors, je peux ouvrir ? Allez-y. Bah, la maison nous a bien plu. C'est vrai qu'on a vraiment un esprit quand même, je trouve, jeune dans les décorations, assez moderne. Elle a du potentiel, c'est joli, les couleurs sont sympas, mais il y a quelques aménagements à faire. La maison nous a plu, mais on vient de s'apercevoir que la voie ferrée est juste en face et le bruit nous gêne un peu. Bon, la seule chose qui pourrait peut-être me gêner, c'est le garage qui soit en annexe, pas forcément sur le terrain. Alors, quand j'ai ouvert cette fenêtre, je me suis penchée et là, le train a passé. Et moi, le train, c'est pas possible. Moi, les réserves, c'est surtout sur les bruits extérieurs avec la proximité de la voie ferrée et les avions. On va envisager quand même une contre-visite parce que j'ai besoin de l'avis de mon époux. Le couple espère vraiment avoir une offre aujourd'hui car dans 5 mois, le chômage de Catherine prendra fin et ils seront alors dans une situation délicate. C'est l'heure du verdict. Comment vous vous sentez ce soir, vous ? J'arrive pas trop à réfléchir. J'attends que tu me dises. J'ai trouvé assez intéressant ces visites, puisque les gens, je les ai sentis d'une façon générale assez intéressés. Donc, évidemment, on attend le résultat. Alors, l'impression, je vais vous le dire, elle est plutôt bonne. Je pense qu'on a réussi le pari, surtout au premier étage, puisqu'on a fait quelque chose de vivant et on a fait des vraies chambres. Mais le homestaging s'arrête à un certain point. J'ai quand même ce train, je le dis et je le redis, car sur les 5 qui ont visité, ils m'ont parlé de ce train. Sur les 5 visites, je n'ai pas d'offre à vous présenter aujourd'hui. On va avoir 2 contre-visites, 2. Et je préfère vous préparer. Le prix va descendre. C'est sûr à 100%. Je sais que ce sujet t'énerve plus que ton mari, mais je suis obligé d'y venir. Est-ce que tu es prête à faire un effort sur ce prix de vente ? Pas trop. Si je t'apporte une offre là et que je te dis tes problèmes sont finis à 330 000 euros net vendeur, tu dis ? Non. Non. 330, non, moi ça, je l'ai là. Si tu me parles de 330... Je dis Stéphane, c'est pire que ça. Merci. Merci. Parce que 330, c'est dans le meilleur des cas. Mais donne-la ta maison. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il nous reste très peu de temps pour vendre cette maison. Pour vous sortir la tête de l'eau. Pour sortir de la tête de l'eau. Donc, si on nous fait une proposition à 330 et qu'elle est ferme, moi, je ne suis pas contre. Bah, attends, j'ai carrément envie de te frapper. Mais j'estime que... Mais je te jure, j'ai envie de le claquer. Mais il a le droit de dire ce qu'il pense. On doit être raisonnable. Moi, 330, je dis oui. Très bien. Moi, je dis non. Si tu restes buté comme tu l'es,
parce que ta maison te plaît plus que tout, parce que toutes les maisons à côté, tu les trouves moches et que rien ne te dérange dans cette maison, dans 5 mois, tu vas pleurer parce qu'il sera trop tard. On s'est tout dit, Guy ? Ah oh ben moi je suis... Guy, ma sagesse. Ben oui, on s'est tout dit, je pense qu'on est assez d'accord sur le principe. On garde le moral, puisqu'on va continuer et je vais aller avec vous jusqu'au bout, jusqu'à la vente. Je ne vais pas vous lâcher, même avec ton caractère. Je vous laisse, et puis je ne m'en vais pas avant d'avoir vendu votre maison. Enfin, ce soir, je vais me coucher quand même. Hein. J'ai bien compris. Stéphane avait vu juste, 3 jours plus tard, une des contre-visites a abouti sur une offre à 323 000 euros. Catherine s'est enfin rangée à la vie de son mari et le couple a accepté l'offre. Bienvenue à Champs-sur-Marne, commune de Seine-et-Marne située à 20 km au sud-est de Paris. C'est une ville champignon dont la démographie a explosé dans les années 70 avec la création de villes nouvelles autour de l'ancien bourg. Aujourd'hui, Champs-sur-Marne continue à attirer de nombreux Parisiens en proche banlieue avec son accès idéal à l'autoroute A4, ses 2 gares RER et son cadre de vie agréable. La ville accueille d'ailleurs des milliers d'étudiants au sein de la cité Descartes. C'est ici, dans le clos du château, que vivent Delphine, Baptiste et leur fils de 2 ans et demi. À vendre, maison de 87 mètres carrés, 3 chambres, double séjour avec cuisine ouverte, jardin, prix de vente 295 000 euros, net vendeur. Delphine est assistante achat dans une entreprise de bricolage et Baptiste, consultant en informatique. Ils sont mariés depuis 5 ans et ont un petit garçon, Lénaïque, 2 ans et demi. Ils vivent dans un lotissement ou plutôt, selon les habitants du quartier, dans un village au style un peu gaulois. On est dans notre petit lotissement qui fait un petit peu village d'Astérix et Obélix. Et c'est très chaleureux, très convivial. Tous les voisins se connaissent. Bonjour. C'est comme au direct Obélix. Et ce n'est pas dans une hutte que vit notre petite famille, mais dans cette maison de 87 mètres carrés. Une maison qui a abrité tous leurs projets et leur bonheur. C'est notre première acquisition tous les deux. C'est notre premier vrai projet. C'est ici qu'on a décidé de se marier, on habitait ici quand on a décidé d'avoir un enfant. Donc Lénaïque n'a connu que cette maison jusqu'à présent. Aujourd'hui, Lénaïque s'est bien approprié les lieux en semant ses jouets un peu partout. Baptiste, lui, envahit la maison avec ses mangas. Il en a plus de 900. Quant aux placards, ils sont remplis de dizaines de Titi, le personnage chéri de Delphine. J'ai commencé à en acheter quelques-uns et puis ça m'a beaucoup plu. Du coup, j'ai décidé d'en acheter un petit peu plus. Donc, il y en a un peu partout dans la maison, surtout dans ce meuble-là. Il y a 6 mois, Delphine et Baptiste ont décidé de vendre leur maison qu'ils aiment tant. Ils rêvent de quitter la région parisienne et de s'installer au calme dans l'ouest de la France. En fait, on voudrait élever les enfants un peu plus au vert, loin des bouchons du stress parisien. Donc on voudrait partir en Vendée pour pouvoir rejoindre également mes parents qui sont déjà là-bas. Un projet qui tombe à pic puisque bientôt la famille va s'agrandir. Alors, Delphine est enceinte de 6 mois. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec son gynécologue. Voilà, donc là, vous voyez, je vous confirme le sexe. C'est un petit garçon avec la tête en bas là. D'accord ? Au revoir madame, il n'y a pas de problème, tout va bien. Hein. L'arrivée de cet enfant est un immense bonheur. Pourtant, Delphine et Baptiste sont préoccupés. Cela fait 6 mois que leur maison est en vente et ils n'ont pas eu l'ombre d'une visite. Celui-ci. Merci. Et les choses se précipitent. Baptiste vient de trouver un poste en Vendée qu'il ne peut pas refuser. Le couple n'a pas le choix. Baptiste doit partir seul et Delphine va devoir tout gérer. Les choses commencent à se bousculer. J'attends un bébé, je dois m'occuper de Lénaïque en parallèle et puis je me retrouve toute seule à la maison. Donc on n'a plus du tout le choix, il faut vraiment vendre cette maison.
Delphine et Baptiste ont donc fait appel à Stéphane Plaza. Ils comptent sur lui pour comprendre l'urgence de la situation. Dès son arrivée, Stéphane est baigné dans une ambiance un peu bande dessinée. Il va courir. Bonjour, pardon. Bonjour. Ça va? Oui. Bonjour. Bonjour, Baptiste. Delphine, bienvenue dans notre petit village gaulois. Un petit village gaulois? Oui, toutes les petites maisons se ressemblent. C'est vrai que ça ressemble un peu à la Gaule. Hein. Yeah, bah oui. Pourtant, vous voulez partir, sinon je ne serais pas là. Exactement. On a envie d'un petit peu plus de verdure pour élever les enfants et parce que j'attends un bébé. Ah oui, effectivement. Et monsieur a trouvé du travail à Nantes. J'ai trouvé du travail là-bas, maintenant j'attaque dans une semaine. Très bien, donc là il y a vraiment urgence. Oui, tout à fait. Alors pour bien comprendre, ça fait combien de temps qu'elle est en vente cette maison? Ça fait 6 mois. Vous avez eu des visites? Rien passé... du tout, pas de visite. Comment? Il n'y a eu pas eu de visite du tout. Zéro. Zéro, c'est ça. Zéro. Je suis curieux de voir cette annonce quand même, il faudra me la montrer. Hein. Vous avez fixé comment le prix de vente? En fait, on a déjà eu des estimations et on en voudrait 295 000 euros net vendeur. On rentre à l'intérieur de la Gaule, comme ça on va voir ce qui se passe. Très bien. C'est une bande dessinée, moi j'en rêve. Le petit, on va pas le laisser quand même. Non, il comment il s'appelle? Lénaïque. Ah bah il a déjà un nom breton, non? C'est déjà... C'est ça. L'extérieur est plutôt sympathique, mais pour Stéphane, le répit est de courte durée. À peine rentré dans la maison, il est interloqué par la porte d'entrée qui vient pourtant tout juste d'être réparée par Baptiste. Là, on a un souci. Il manque un bout. Bah, c'est bizarre, non? Je sais pas. Qu'est-ce que vous avez fait, là? En fait, on a changé le verrou, et donc pour accéder au verrou, on a dû retirer une partie et on l'a pas remis depuis. Bah, là, c'est pas abîmé. C'est proprement, quand même. Ça a été fait. C'est proprement ça. Ah oui. Bah, on peut faire pire. Ça aurait pu être pire. Ah, oui. Mais, alors c'est sûr que si moi je fais quelque chose et je commence à découper, c'est pire. Voilà. Mais moi je ne vends pas pour l'instant. Mauvais point pour la porte d'entrée qui est le premier contact de l'acheteur potentiel avec la maison. Et ce n'est pas le seul problème. Alors là on rentre dans le monde du jouet. Là, hein, exactement. Là. C'est ça. Là Diane, vous vous rendez compte quand même qu'il y a beaucoup de choses. Oui. Ou pas? Oui, si, si on s'en rend c'est compte. C'est rangé, là, par rapport à d'habitude. Il y en a partout. Qu'est-ce que c'est, alors? C'est quoi? Des pirates. Les pirates. Dans ces conditions, impossible de se rendre compte du volume de cette pièce qui mesure pourtant 30 mètres carrés. Mais là, vous vous rendez bien compte qu'il y a un vrai souci. Oui, c'est certain. Ça fait envahissant. Baptiste a installé son bureau sous l'escalier. L'intention est bonne, mais le résultat laisse à désirer. Vous avez une très bonne idée d'avoir utilisé sous l'escalier cet espace, sauf que vous n'avez pas été au bout de l'idée, à mon avis. Voilà, la chaise ne va pas forcément avec ces deux bureaux. Non, on a un ordinateur, on a la girafe, voilà. C'est pas très bien harmonisé non plus. Oui. On va à la salle à manger? Oui. Très bien. Alors, la porte-fenêtre, on n'y va jamais. Non, pas celle-ci, on n'y va pas, c'est vrai. On a des culottes. Il faut bien les faire sécher quelque part. Oui, bien sûr qu'il faut faire sécher son linge. C'est vrai, Baptiste, t'as des belles culottes, mais on n'est pas là pour vendre tes culottes. Non, puis c'est les miennes. Après les culottes de Baptiste, Stéphane va maintenant découvrir le péché mignon de Delphine. Il y a une collection de... De Titi, oui. De Titi? C'est la mienne. Il avait un petit cheveu sur la langue, c'est ça? Voilà, c'est ça. Moi, je crois que j'ai vu un gros pinet. Voilà, c'est ça. Ah, je sais pas si je le prononce bien. En imitation, je suis moins fort que dans la vente, hein. Mais moi, je crois que j'ai vu un gros pinet. Hein, c'est pas comme ça qu'il disait, non? Tu dois être très fort en vente, alors. Essaye de le faire, parce que t'as dû le voir. Oui, je l'ai vu. Vas-y. Je crois que j'ai vu un gros minet. Ah, tu le tiens. Un gros minet. Direction maintenant, la cuisine. Ça, c'est quoi? Vous l'avez créé vous-même? Oui, c'est Baptiste qui a ouvert la cloison. Ah! Alors, Baptiste, il a des bonnes idées, il a des bonnes astuces. Non, c'était mon idée, il faut le dire. Ah, pardon. Donc, t'as bien suivi les idées de ta femme. C'est plutôt bien de faire une ouverture. Mm-hmm. Ça rapporte de la lumière. Oui. Maintenant, les meubles sont de très bonne qualité. Le problème, c'est que maintenant, les meubles trop rustiques sautent aux yeux. Quant au papier peint... C'est quoi? C'est des joncs? C'est quoi? C'est... Des bambous. Des bambous. Pour faire une harmonie de verre. Ah oui, alors là, évidemment, là. On est dans l'harmonie un peu vieillotte. Donc, c'est pas vendeur. En revanche, jouer une porte-fenêtre, on peut peut-être aller voir ce jardin qui a l'air bien entretenu. Le jardin de 200 mètres carrés impeccable offre un coin de verdure appréciable pour les futurs acheteurs. Alors là, que des bons points, hein, mon Baptiste. Très bien. Passons maintenant à l'étage. Le palier dessert 3 chambres et une salle de bain. Et dans la première pièce, Stéphane retrouve le goût très expérimental du couple en matière de déco. C'est des poutres.
Non, imitation, fausse. C'est un papier peint en poutre. Eh oui. Alors là, bravo. C'est la première fois que je vois c'est un papier quand même poutre. Collector. Ah, ben oui. Ah, c'est collector. Collector. Alors c'est vraiment. Vous gardez le style un peu de la Gaule, là. Hein, si je peux. Bah oui. Je ne suis pas sûr qu'on va le conserver. La pièce est aussi très encombrée, notamment par les mangas de Baptiste, qui intriguent beaucoup Stéphane. Ah, c'est vraiment à l'envers. Voilà. Mais alors, moi, je vais peut-être dire une bêtise, je ne m'y connais pas du tout, je le dis bien avant. Je croyais que le manga, c'était aussi un peu érotique. Bah, il y a tout. T'en as ? Non. Non ? Non, non, non. En tout cas, cette chambre, on ne voit pas que c'est une chambre, on ne voit pas le volume. Et en plus, avec ce papier poutre, bon, bah là, c'est très original, c'est très bien, mais pour la vente, c'est pas bon du tout. Dans l'unique salle de bain de la maison, Baptiste a fait des travaux récemment. Elle est saine et moderne, mais le bricoleur en herbe semble avoir oublié quelque chose de fondamental. Il n'y a pas de robinet. Oui, il y a... Ah, mais je me demandais si... Oui, il y a quelque chose qui manquait. Mais j'ai eu un moment d'absence. Il n'y a pas de mitigeur, il n'y a pas de robinet. C'est vrai, parce qu'on l'a vraiment fait très récemment et donc on s'est contenté pour l'instant du mitigeur douche. C'est-à-dire quand vous me dites pour l'instant, vous comptez le finir ou... Bah là, on est un peu près de court du coup. Dans la chambre de Lénaïque, deux bémols, la frise, très enfantine, et les fils à nu. En revanche, le parquet est un atout. Et en plus, vous avez fait les plaintes, donc vous avez été au bout. Mais c'était déjà là quand on est arrivé. Ah, c'est pas... Non, c'est pas ce coup-ci. Je vais pas lui enlever du mérite, mais... Pas ce coup-ci. Tu vois, j'essaye d'aller... Non, mais c'est gentil, je vois ça. Donc, mais, bon. Mais c'est pas toi, en fait. Donc t'as pas été au bout. Il reste encore une chambre. La dernière, la chambre des parents. Cette troisième chambre mesure 10 mètres carrés et la peinture a été refaite récemment. Le rêve bleu... C'est ça. Pour Stéphane, ce n'est pas un obstacle pour la vente. La pièce est en bon état et la couleur reste sobre. L'état des lieux de Stéphane est terminé et il va faire le point avec le couple. Alors montre-moi. L'annonce. Mais quelque chose l'intrigue. En 6 mois, aucun visiteur n'a pris la peine de se déplacer. Pour Stéphane, cela signifie qu'il y a un problème dès la lecture de l'annonce immobilière. Vous avez pris les photos de nuit, non ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, c'est ça. Tout le monde dormait. Bien sûr, c'est important. On prend bien de nuit, c'est bien sombre. Et puis vous ne prenez qu'un espace. Hein. Salon, salle à manger, non. Pour avoir du volume, de l'espace, non. Que la petite salle à manger, voilà, le coin. Je pense que quand je regarde ces 3 photos, je me déplace pas. D'accord. Et c'est ce qui s'est produit apparemment. Tout à fait. Maintenant, si je fais le bilan un petit peu de votre maison. Mmh. Votre maison, elle est saine. Elle est très bien conçue. La répartition superficie et pièce est parfaite. Mmh. On a un petit problème de rangement. Vous n'avez pas mis en valeur les choses qu'il fallait mettre en valeur. Il y a un problème de finition. Vous avez des bonnes astuces, mais ça ne fait pas terminer. D'accord ? Okay. Bon, parfait. Tu vas aller te reposer un petit peu. Oui, pas de problème. Et je reviens vous voir rapidement. D'accord. Quelques jours plus tard, Stéphane emmène Baptiste et Delphine à quelques mètres de chez eux dans leur lotissement, visiter une maison jumelle de la leur qui fait donc aussi 87 mètres carrés. Regardez, il y a de l'harmonie partout et surtout cette maison s'est vendue. Au rez-de-chaussée, on trouve un salon et une salle à manger au style actuel. C'est vrai que c'est clair, c'est dégagé. Mmh. Et une cuisine contemporaine et fonctionnelle. C'est joli, j'aime beaucoup le bar. Après, c'est bien fait, c'est bien utile. Voilà. Ça a l'air pratique, oui. Voilà, pratique et tout. Ouais. À l'étage, 3 chambres, dont une à la décoration très petite fille. C'est flashy, je suis d'accord. Ça veut dire qu'on peut vendre aussi, même si l'acheteur va repeindre. Une ou 2 pièces. Oui, d'accord. Tout à fait. Salle de bain. Elle est plus petite. Ah, d'accord. Mais... Oh, il y a un mitigeur. Oh, un robinet. Oui. Hop là. Oui, il y a de la place aussi, c'est spacieux. C'est bien fini, c'est clair. Tout est... Ça fait propre, c'est clean, quoi. Fin de la visite. Pour Stéphane, le constat est clair. Si on prend des photos de cette maison, par rapport à la vôtre, on visite que celle-ci. Cette maison a été vendue en 3 semaines. Ah oui, d'accord. Oui, quand même. À 285 000 euros net vendeur. D'accord. Vous en pensez quoi ? 285, ça me paraît vraiment très bas. Oui, on va en discuter un petit peu. Après, moi aussi, je trouve ça un peu bas. Si vous me demandez mon avis à moi, je vais vous le donner. Avec des travaux, avec du home staging, on peut vendre votre maison
290 000 euros net vendeur. D'accord. Maintenant, on va réfléchir. Voilà. Faut voir. Ouais. C'est ça. D'accord. Oui. La maison est vendue, on peut s'en aller. Hein. Oui, on y va. Oui, alors, on y va. Pardon. On a tellement de boulot à faire chez nous. Tout à fait. Pour aider Baptiste et Delphine à vendre leur maison au plus vite, Stéphane a fait appel à Emmanuelle Rivassou, décoratrice d'intérieur. Son objectif, rendre cette maison plus harmonieuse et terminer tous les travaux entamés par Baptiste. Ça va ? Ce matin, c'est réunion de travaux pour nos deux experts. Ça me turlupine cette maison parce que je trouve qu'ils ont eu quand même des idées. Il y a quelque chose qui me choque. Exactement, ils ont démarré le job de homestaging, mais ils sont pas allés au bout de l'idée. Ils ont ouvert la cloison qui séparait la cuisine de la salle à manger. C'est une bonne idée. Sauf que maintenant, cette cuisine rustique, eh bien, tu la vois depuis toutes les pièces. Sous l'escalier, ils ont eu un... Alors justement, sous l'escalier, ce bureau-là, c'est ni fait ni à faire. C'est ni fait ni à faire, je suis d'accord. Mais par contre, l'idée est bonne. Ils ont optimisé l'espace en y installant le bureau. Mais seulement, ça fait un peu bric-à-brac. Donc l'idée, c'est de venir peut-être créer un aménagement sur mesure sous l'escalier. C'est que dès que j'entends, moi, le mot « sur mesure », dans ma tête, c'est les zéros qui s'affichent, ça coûte très cher non. Le sur-mesure. Alors, le sur-mesure, avec un peu d'astuce, tu vas voir, on peut avoir quelque chose de parfaitement intégré et pas trop cher. D'accord, tu me le promets. Je te le promets. Voilà, c'est un peu dans cet esprit, mais évidemment, beaucoup plus tendance, beaucoup plus actuel, évidemment. D'accord, ça c'est pas mal. Ça c'est bien, hein. Ouais. Quelques jours plus tard, Emmanuel et Stéphane viennent expliquer les transformations pour la vente à Delphine et Baptiste. Alors, je vous présente Emmanuel Rivassou, qui est architecte d'intérieur et qui a fait un travail pour vous de homestaging, pour moderniser votre maison et surtout pour la vendre. Dans le salon, on a peu de hauteur sous plafond, seulement 2,40 m, c'est une moyenne un peu basse. Donc on ne peut pas se permettre de couleur foncée. Les murs seront repeints en blanc coton et le sol recouvert par un sol vinyle, celui-ci aspect parquet massif blanchi. Côté salon, peu de frais. Emmanuel va réutiliser les deux canapés qu'elle va simplement assembler pour créer un canapé d'angle. Le tout sera recouvert par des plaids gris chiné. La table basse, elle, sera repeinte dans une teinte myrtille. Ça fait chic, je trouve ça fait un peu terne comparé à ce qu'on a habituellement. Oh, mais voilà. C'est à voir. Bon, je pose ? Oui. J'empile, hein ? Alors non, parce que tu sais, on garde le plan toujours au-dessus puisqu'on s'en resserre pour la suite. Très maniaque. Ça, tu vas voir que elle va tout m'empiler. Votre espace sous escalier est imposant, 4 mètres carrés, mais c'est un peu le souk. Du coup, je vous propose de réaliser ensemble un aménagement sur mesure. Ça va nous permettre d'avoir un espace multimédia vraiment intégré. Et vous verrez qu'avec un peu d'astuce, ça ne coûte pas très très cher. Concernant l'espace salle à manger, il est installé entre votre cuisine et votre salon. Ça, c'est parfaitement fonctionnel, on va conserver. Vous avez ouvert la cloison qui séparait la cuisine de la salle à manger. C'est une bonne idée. Le problème, c'est que maintenant, votre cuisine un peu rustique, eh bien, on la voit depuis toutes les pièces. Oui. Un vent de modernité va souffler sur cette cuisine. Plans de travail et crédences seront recouverts par une résine gris taupe. Quant au placard rustique, Emmanuel veut marquer l'acheteur potentiel en les repeignant dans des couleurs très tendances et vitaminées. Donc l'idée, c'est qu'on va venir simplement les repeindre dans un camaïeu de vert bleu foncé. On aura un vert cèdre du Liban, un vert lagon et quelques touches de jaune anis pour éclairer. Ce qui va apporter... Mais je t'écoute, je suis un peu surpris de toutes ces couleurs. Moi, je connaissais le vert, le mauve... Mais si je te dis vert, vert et vert, tu comprends rien. C'est vrai. C'est vrai. Là, au moins, c'est précis. L'étage maintenant. Première chambre, celle qui a le plus de potentiel parce qu'elle est la plus spacieuse et donne sur le jardin, eh bien, c'est la chambre au papier peint imitation poutre apparente et moquette arlequin. Donc... Si je peux me permettre, Emmanuel, alors c'est papier peint poutre, parce que poutre apparente, c'est pour un homme. Et quand il est très moulé, on dit tiens, t'as mis ta poutre apparente. Non, ça c'est parce que c'est toi qui... Mais à la base, c'est un terme de déco. Donc, ambiance chaleureuse, mur repeint. Bah là, tu vas rire, mais c'est vrai. Couleur grain de riz. D'accord. OK. Le mobilier. Je remercie. Non, mais vous savez, moi, c'est un bonheur de travailler avec Emmanuel. Moi, j'adore. Je trouve qu'elle nous fait voyager. Mais oui. Le mobilier de votre chambre actuelle, je vais le réutiliser. Il sera réglisse. La touche déco sera amenée par ce bandeau couleur aiguille de pin. Et au niveau du sol, on va recouvrir par ce sol vinyle qui imite la texture du textile. Dans la salle de bain, il y a surtout un problème de finition. On posera donc une paroi de douche et un mitigeur dans la baignoire.
une vasque plus moderne sera installée sur un nouveau meuble. Quant aux couleurs, c'est encore tout un poème. Au niveau de l'ambiance générale, on est dans des harmonies chaudes, lin clair, terre cendrée et automne. Cette pièce, elle va... Voyage. Et, moi, je fais comme ça maintenant. Voilà, hein, comme tu as bien compris. Tu... Dans la chambre actuelle de Baptiste et Delphine, on ne touchera ni les murs ni le sol qui sont en bon état. Emmanuel investira seulement dans du mobilier pour la transformer en bureau chambre d'amis. La chambre de Lénaïque ne subira pas de grosses transformations, seulement un peu de peinture et de réaménagement. Alors, vous en pensez quoi de l'ensemble de ces modifications ? C'est assez chic, c'est sympa, les couleurs, ça devrait être sympa. Alors, on se retrouve dans quelques temps pour les travaux. D'accord. Et le déménagement. D'accord, super. Merci beaucoup. Pour la Gaule, on a sorti les grands moyens cette fois. Hein ? Je crois qu'on est ridicule, Stéphane. Mais non, on n'est pas ridicule, partout à Tisse. C'est le jour du déménagement. Stéphane et Emmanuel arrivent en pleine forme chez Baptiste et Delphine. Bonjour. Ah. On a de nouveau, là, c'est qui les nouveaux ? Mon papa. Papa, très bien. Et mon meilleur ami. Ah, très bien, ça va nous faire un peu de force. Alors justement, Emmanuel a pensé à la potion magique. Espérons que la potion magique fasse son effet car il y a du pain sur la planche. On change le sol du rez-de-chaussée, il faut donc sortir tous les gros meubles. Donc on va les mettre là. Ah la vache, c'est plié moi non ? Oui c'est ça. Les meubles de droite seront réutilisés par Emmanuel et ceux de gauche partiront au garde-meubles, le temps de retrouver une maison en Vendée. Il y a du ballon les gars là ! Allez Alain, vas-y Alain. Vas-y, envoie-lui un boulet, Allez, je... Oh bah on joue pas là, on fait une mais pause. Mais si on joue, non. Allez au boulot tout le monde, allez. C'est toi qui as donné cette idée. Ah non, c'est Alain. C'est vous, allez au boulot Alain. Attends, c'est Alain. Ah, non, encore, c'est mais... Après là, tous ses efforts, Stéphane s'accorde un temps de repos. Donc moi je m'assois là et je te surveille et puis toi tu ranges tes jouets. Bah, ouais, très bien. Ça c'est très bien. Très bien mon bonhomme. Les télécopes dans la malle, le télécope. Tu vas bientôt aller à l'école. Mmh. Alors, je vais te dire une bonne chose. L'école, c'est important quand même, hein. Faut avoir des bonnes notes. Mais si tu peux faire un peu peur à la maîtresse, tu vengerais tonton Stéphane qui a eu que des mauvaises notes. Bouh, la maîtresse. Voilà pour la parenthèse éducative. À l'étage, les filles vident les armoires. Bon, un déménagement, c'est l'occasion de faire le tri aussi. Ce que je te propose, c'est de mettre dans la malle les vêtements que tu gardes et puis les vêtements que tu ne mets plus, plutôt que de les jeter. On va les mettre dans ce carton et puis les donner à une association. Il faut encore vider la chambre d'amis et ça commence par dégonfler le matelas pneumatique. Moi, avec mon poids, je vais me mettre dessus pour le dégonfler plus vite. Alors, je vous laisse. Je vais enlever mes chaussures. Allez-y, les gars. Hein. Ouais. On continue. Ouais, ouais. Moi, je m'occupe du dégonflage. Comment ça marche? Je comprends rien, moi. De droite à gauche et de haut en bas. Alors, paf, 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 paf. C'est ça. D'accord, si tu le dis. Tu veux un coup de main? Eh, ne soyez pas mauvaise langue, hein. C'est uniquement pour que ça dégonfle plus vite, hein. Ouais. C'est une question de poids, je suis le plus lourd. Je crois que Baptiste est plus lourd, quand même. Attends, tu fais pèse combien ? 105 kilos. Ah, oui, pardon. Paf, 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 paf. C'est ça ? Mmh. Ouais, c'est ça. C'est une question de poids. Voilà. Quelques heures plus tard, la maison est prête pour les travaux. Demain, tout commence. Tout commence, rappelez-vous, on va faire du mauve myrtille, mm-hmm. du blanc coton, du vert bois anisé. Enfin, on va se coucher, pas ensemble, mais on va tous se reposer. Aujourd'hui, on s'attaque aux transformations pour la vente. Emmanuel et Stéphane sont déjà sur le pied de guerre quand Delphine et Baptiste et leur équipe arrivent. Bonjour.
Bonjour. Ah bon, on a commencé. Émilie. Ah, la remplaçante de Mounir. C'est ça. Émilie. C'est ça. Enchantée, Émilie. Enchantée. Je prends les filles avec moi. Baptiste, papy, vous restez avec Stéphane? Premier atelier, le décollage du papier poutre. C'est Stéphane et le papa de Delphine qui s'y collent. Il suffit de pulvériser sur les murs un produit spécial qui va faire fondre la colle. Attends, je vais mettre un parapluie quand même. Non, non, non. Tiens, regarde. Ça peut peut-être te faire pousser les cheveux. J'ai pris ma douche ce matin. Hein. Ah, t'as pris ta douche, bon, ok. Toi, tu habites là ou t'es venu spécialement pour les travaux? Ah, je suis venu spécialement pour les travaux, j'habite en Vendée. Deuxième étape, la peinture. Stéphane tient à respecter, à la lettre, les consignes d'Emmanuel. Elle a dit grain de riz. Ah ben, c'est ce qu'elle a dit. Aiguille de pain et réglisse. Mais disons, ça va pas être facile à faire tenir. Ah, non, mais... non, mais qu'est-ce que vous faites? Grain de riz, aiguille de pain, réglisse. On a eu du mal à trouver le grain de riz. Hein. Bon, allez, viens, on va chercher la vraie peinture. Bah oui, allez. Viens. Dans une décoration contemporaine, on imagine plus un électroménager couleur inox. Or, les machines de Delphine sont blanches. Emmanuel a une astuce pour éviter de tout racheter. On applique dessus une résine colorée, c'est pour ça que ça s'agrippe bien. C'est une bonne astuce quand tu veux relooker un peu ta cuisine. Tu peux lui donner un petit coup de jeune comme ça. Dans la salle de bain, Emmanuel a décidé de créer un nouveau meuble vasque plus fonctionnel et plus moderne. En fait, c'est meuble fabrication maison. Tu te souviens, il était un peu vieillot, ton meuble vasque. Tout donc là, fait. On va en fabriquer un avec deux plans de travail, en fait. Donc ça coûte pas cher, c'est l'astuce. Ah ben non, ça coûte pas cher, ça coûte moins de 60 euros les deux. Le principe, c'est de fabriquer en amont deux modules en L avec des découpes de plans de travail. On pose ensuite ces deux modules l'un sur l'autre. Voilà, là je suis bien. Et là, tu es parfait. Ah oui. Et on les fixe ensemble grâce à des petites équerres. On consolide le tout en vissant ce nouveau meuble sur des tasseaux fixés dans le mur. Deuxième étape, la pose de la vasque. Il suffit de percer deux trous, un pour la vasque et un pour le mitigeur. Non, bah pardon. Oui, mais tu sais, nous les gars, des fois, on est un peu primaires. Pour les raccords de plomberie, il est préférable de faire appel à un professionnel. Finalement, c'est simple à faire. Bah t'as vu. Hein? Incroyable. Dernier chantier, la peinture des meubles de cuisine. Trois couleurs différentes, camaïeu de vert, vert cèdre du Liban, vert lagon et quelques touches de jeune anis pour éclairer. Pour faciliter le travail de tout le monde, Emmanuel a fléché la répartition des couleurs avec des étiquettes. Une précaution qui ne semble pas suffire. Mais non mais... Attends, stop. Le fond, je t'ai mis une étiquette là, pas sur le fond, tu fais que ça. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah, y a pas d'étiquette. Mais non, mais j'ai... parce que tu dois pas faire là où j'ai pas mis d'étiquette. Non, attends, pour moi, c'est tout le mais meuble. Non. Mais non, c'est trop pour toi, on t'a dit un tout petit peu. Pourtant, j'étais persuadée de pas faire de conneries, moi. Bah oui, mais bon. On ne relâche pas les efforts, il reste plusieurs jours de travaux avant que la maison soit prête pour la vente. C'est aujourd'hui qu'Emmanuel présente la maison totalement métamorphosée pour la vente. Elle apporte les dernières touches à sa décoration le temps que Stéphane arrive avec Delphine et Baptiste. Comment tu te sens? Curieuse de découvrir ce que vous avez fait. Bon, alors allons voir la maison. Très bien. Je suis contente de vous accueillir. Elle n'a pas encore accouché. Nouvelle maison, voilà, c'est ce que je vois. J'espère que ça va vous plaire. Hein. On va voir ça tout de suite. On va voir. Allez-y. Les visiteurs découvriront désormais dès l'entrée une pièce à vivre spacieuse et lumineuse grâce aux murs immaculés. C'est simple, c'est sobre et bah, c'est efficace. Et c'est agréable, c'est joli, c'est clair. J'aime bien quand c'est clair, donc c'est parfait. Au rez-de-chaussée, ce sont que vos meubles. C'est du 100% home staging. Simplement, les meubles sont relookés de manière différente. Le canapé, on l'a habillé avec 6 plaids à 10 euros que l'on a agrafé dessous. Une petite rangée de coussins à 3 euros l'unité. Emmanuel a seulement investi dans deux lampadaires à 84 euros qui encadrent le canapé avec élégance. Et plus rien ne viendra chagriner l'acheteur puisque la porte d'entrée a été réparée et repeinte en gris clair. On a du volume, on a de l'espace et c'est ce que cherchent vraiment les acheteurs. Un côté moderne et surtout de voir du volume dans une maison et de la clarté.
Emmanuelle a également repensé l'espace bureau sous l'escalier. Avec un peu d'idées, elle a créé un véritable espace multimédia sur mesure à un prix défiant toute concurrence. L'astuce, c'est que j'ai utilisé des planches de médium. Plus la plaque de médium est fine, moins c'est cher. Et donc, l'idée, c'est de n'avoir utilisé que des plaques fines et d'avoir triché. On a rajouté une petite baguette comme ça et on a l'impression visuellement que l'étagère est épaisse, alors qu'en réalité, non. Et avec cette astuce, on a eu seulement 250 euros de fourniture. Bon, très bien, on a économisé de l'argent. Vous en pensez quoi de ce dessous d'escalier ? Non, j'aime beaucoup, je trouve que ça fait plus rangé, ça fait plus spacieux. Bizarrement, on a l'impression d'avoir plus de place sous l'escalier. On passe à la salle à manger ? Oui. Alors regardez, par ici. Ici, Emmanuelle a simplement repeint la table et les chaises. Pour la touche de style, elle a installé deux suspensions à 25 euros chacune. J'adore les chaises. Je trouve ça super original. C'est un peu la tendance actuelle, c'est d'avoir des chaises de même forme autour de la table, mais de couleurs différentes. Dans un souci d'harmonie, tout le sol du rez-de-chaussée a été recouvert par un revêtement en vinyle, imitation parquet chevron. Et on ne l'a pas mis dans le sens de la fenêtre, hein ? Non, alors c'est vrai qu'habituellement, on pose le parquet, les lattes dans le sens de la lumière, mais comme votre pièce est toute en longueur, on les a posées dans le sens de la largeur, de manière à élargir. Direction la cuisine, qui a subi une transformation spectaculaire. Elle a radicalement changé, simplement en la repeignant. Et pourtant, c'est une simple utilisation judicieuse de peinture qui fait toute la différence. On est vraiment dans ça actuellement, dans des couleurs un peu vitaminées, tonifiantes. Ça jure pas et ça passe très bien. Moi, je dis chapeau. L'électroménager relooké grâce à une résine effet inox s'intègre parfaitement dans cette nouvelle cuisine moderne. On passe à l'étage ? Allons-y. Là, il y a du changement. Ah oui. Déjà, c'est très lumineux. Oui. Et puis, on n'a plus de poutres. Le papier peint poutre a laissé place à des murs plus neutres et la moquette a un sol en vinyle impression tissu. Moi, j'aime beaucoup. Et oh, c'est toujours nos meubles. Le lit et la table de chevet de votre ancienne chambre. Le petit meuble à chaussures du rez-de-chaussée qui est monté. J'ai simplement acheté ce petit fauteuil à 99 euros. Une fois de plus, très peu de dépenses pour un résultat bluffant. Passons à la salle de bain. Très joli. Ouais, le meuble tout en longueur, comme ça, la salle de bain semble plus grande. Vous faites remarquer quand même qu'on a enfin des robinets. Oui, alors pour le coup, on en avait qu'un et là, on en a deux. Ce qui est important, c'est que c'est vrai qu'on n'a qu'une salle de bain. Ouais. Donc il faut qu'elle soit moderne pour faire aussi la différence par rapport aux autres maisons dans le lotissement. Ce meuble, donc fabrication maison, nous a permis d'éloigner la vasque des WC. Et effectivement, ça donne cette sensation d'avoir étiré la salle de bain. Elle paraît plus grande. Ici, Emmanuelle a tenu son budget. Le plan de travail a coûté 60 euros, la vasque et le mitigeur 39 euros chacun, et la paroi de douche 79 euros. C'est-à-dire qu'on a quand même une salle de bain extrêmement moderne, ouais, avec des tout petits prix là. En effet. On va voir les chambres ? Oui. Allons-y. Je vous en prie. Pour suggérer une chambre d'amis bureau, Emmanuelle a investi dans un canapé convertible à 299 euros et dans un bureau à 110 euros, avec sa chaise à 30 euros. Dans la chambre de Lénaïque, elle a repeint la partie haute des murs et désencombré pour que chacun puisse s'y projeter. C'est clair, il y a de l'espace. Oui, il y a de l'espace. Stéphane va pouvoir représenter la maison à la vente. Ça a changé, hein ? Ah oui, c'est sûr. Radical. Mais en bien. Oui. Oh bien ça. Oui, ouais. On a reparlé du prix tous les deux et ouais, on voudrait pour le moment essayer de la laisser à 295 000 euros net vendeur. Très bien, on va donc retravailler la publicité, je vais retourner voir les agences immobilières, faire des nouvelles photos. Et on peut dire au revoir. Eh bien au revoir. Au revoir. On y va, on vous laisse, repose-toi bien, bois de l'eau, de l'eau, de l'eau. Beaucoup, d'accord. Hein, beaucoup d'eau. Il n'y a pas de problème. Hein, allez, je te ramène Emmanuelle, t'as bien travaillé. Merci. En tout, Emmanuelle aura dépensé 3300 euros en meubles et accessoires et 2400 euros en peintures et matériaux. Au total, 5700 euros, soit 1,9% du prix de vente de la maison. Une annonce immobilière est 10 fois plus consultée lorsqu'elle contient des photographies. Alors, si comme Delphine et Baptiste, vous rédigez vous-même votre annonce immobilière, voici quelques conseils pour faire de vos photos la meilleure carte de visite possible. Allumez les lampes,
rangez votre intérieur, cachez les câbles et tondez la pelouse. Utilisez un appareil de très bonne résolution. Prenez une photo par pièce en vous plaçant aux extrémités pour obtenir plus de profondeur. Montrez les éléments qui valorisent votre bien immobilier et oubliez les photos inutiles comme celles des toilettes. Et enfin, sélectionnez avec soin la photo principale car c'est elle qui va déclencher le clic du visiteur. 15 jours plus tard, Stéphane est de retour à Champs-sur-Marne pour les visites. Bonjour, ça va ? Baptiste a commencé à travailler à Nantes, il est revenu pour l'occasion. Avec Delphine, ils espèrent vendre aujourd'hui pour être enfin réunis. Oh, rien n'a bougé, les jouets sont pas là. Alors comment ça se passe ? Ben, ça va bien. Ah, t'es sans ta femme et ça va bien ? Oui, bon, à part ce côté-là, mais sinon le boulot se passe bien pour l'instant. Ça fait 15 jours qu'il est sans toi, t'as vu ? Il dit ça va bien. Ça va bien, ouais. Alors, est-ce que tu aurais une tablette ? Oui, bien sûr. Je vais te vous montrer quelque chose. Pardon. Très bien. Voilà, j'ai pris des photos. Et alors, la bonne nouvelle, aujourd'hui, j'ai 3 à 4 visites. D'accord. Ça veut dire qu'il faut donner l'envie d'avoir envie. Pour ne pas citer un chanteur, Johnny Hallyday. Vous connaissez la chanson ? Oui. Bon, bah ça, c'est bien. Alors, pour leur donner envie, je fais des photos 2 jours. Ah oui, c'est mieux. Ben oui, regarde, voilà. Là, moi, j'ai envie de visiter cette maison. Ouais. On voit la clarté, on voit le volume et on voit l'espace. C'est vrai. Et c'est le jour. Mmh. Donc, c'est... les gens appellent. Et c'est parti pour 4 visites. Bonjour. On commence la visite. T'es pas fatigué ? Non, non, on peut y aller. Là, il y a tout un espace un peu sur mesure, ouais. Média. Sous l'escalier, c'est bien. Ça évite la perte d'espace. Très bien. Oui, j'aime bien le beauf, c'est très joli. Qu'est-ce que vous pensez de cette cuisine ? Ah, mais vous dites-nous tout, hein ! C'est vert, c'est un peu vert. Ouais. Oui ? J'aime beaucoup les couleurs, c'est très sympa, je trouve que ça change, c'est très joli. Je suis pas super fan, mais bon. Ce qui est joli, c'est le jaune. Le jaune et enfin, les contrastes de couleurs, moi j'aime bien. Ça va bien avec votre pull aujourd'hui, oui. Voilà. Ah, bah je comprends pourquoi vous aimez bien. J'aime bien ce parquet, cette imitation parquet, c'est tout à fait mon style. Il y a une belle surface de jardin, franchement, c'est sympa. Pas de vis-à-vis. On pourra bronzer l'été ? Ah bah, vous pouvez bronzer, voilà. Vous pouvez même vous mettre nu dans le jardin. Enfin, ça ne nous regarde pas. Non, maillot de bain. Maillot de bain, bon, il n'y a pas de vis-à-vis en tout cas. C'est sympa. Le verre, il est pas semé. Ouais, non, c'est ça. Bon, c'est pas mal. Ce qui est super, c'est le verre et les décorations. Tu vois, le verre, c'est joli. Attention, si je peux me permettre, c'est pas du verre. C'est du kaki. Aiguille de pin. Oh, pardon. De moi, je pensais que c'était du kaki comme vous. Bah oui, moi, j'aurais pu dire kaki. Ouais. Aiguille de pin. Verre militaire, à rigueur. Oui. J'aime bien la couleur orange, j'aime bien l'orange. Ouais, moi aussi. Il est bien fait, il y a du rangement en bas, il y a de la place en haut, donc c'est un meuble qui est fonctionnel, il me plaît bien. Une autre chambre. Tout est assorti, bien fait, bien pensé. Encore une petite chambre ou un bureau. Le plein soleil ? Oui. Bleu et blanc, ça vous va ? Ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai trouvé que c'était une maison très très sympa. J'ai adoré les couleurs. C'est une maison qui nous plaît. J'ai beaucoup aimé voilà, les différentes pièces. C'est une maison qui correspond à ce que je recherche au niveau des volumes, au niveau du nombre de chambres, de la taille. Je trouve que la maison est très propre. On amène les valises et on s'installe. Donc moi, je serais prête à faire une offre. Maintenant, il faut que mon mari vienne la revisiter avec moi pour valider mon choix. Pour ce qui est de faire une offre, il faudrait que je réfléchisse. Je vais peut-être faire une offre, mais je vais y réfléchir un petit peu. Je vais voir, j'ai mes enfants également qui sont concernés, donc je vais voir avec eux. Voilà. La maison semble avoir plu aux visiteurs, mais Stéphane a-t-il pour autant des offres à présenter à Delphine et Baptiste ? En 6 mois, on n'avait pas eu de visite. Là, on a eu 4 visites. Tout à fait. C'est plutôt positif. Oui. Vous pensez quoi de cette journée ? Quel est votre avis ? Moi, je suis assez agréablement surprise d'avoir eu 4 visites. Parce que j'avais un peu peur d'en avoir aucune ou une seule, j'aurais été déçue. Maintenant, on croise les doigts pour qu'elles aient été très positives. Est-ce que vous avez un pronostic sur ce que je vais vous dire ? Moi, je pense qu'on peut avoir 2 offres. Moi, j'en ai pas vu partir en courant, mais je vois pas les 4 faire des offres, donc je sais pas. Alors, je vais être très franc, très brutal. Je n'ai pas d'offre. D'accord. Déçu. Je suis quand même un petit peu déçu, oui. Au moins une, ça aurait été une bonne surprise. J'avais pas envie de... Enfin, c'est pas que j'avais pas envie de faire les allers-retours, mais j'avais juste envie de partir à
avec la famille, quoi. Bien c'est sûr. Tout. Est-ce que vous vous rappelez à combien s'est vendue cette maison comparative dans ce même lotissement? 285 000. Net vendeur. À combien je vous ai estimé, moi, votre maison? 290 000 euros net vendeur. À quel prix vous avez mis votre maison? 295 000 euros net vendeur. Quand on met un prix à 295 000 euros net vendeur, plus une commission d'agence, on dépasse largement les 300 000 euros. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je pense qu'on va la laisser encore une petite semaine à 295 000 euros net vendeur pour voir ce qui va arriver dans la semaine. Et après? Et après, éventuellement, je pense qu'on pourra parler sérieusement de baisser à 290 000 euros net vendeur. Je pense que c'est une sage décision. Bon, je t'embrasse. Oui. Hein, et on reste positif. Merci. Évidemment, tu m'autorises à revenir dans la semaine. Évidemment. Pour la maison, bien sûr. Hein, oui. Pour oui. vendre. Oui. Et puis on se tient au courant de tout. D'accord, pas de problème. Merci. Une semaine plus tard, Delphine et Baptiste ont reçu une offre à 280 000 euros qu'ils ont acceptée avec soulagement. La famille est enfin réunie à Nantes. Mais non. Il s'est pris le truc. Mais non. Il faut savoir qu'au plus la plaque est fine, au plus elle est économique. Mais en fait, je parle pas français, mais c'est dans ma tête que c'est comme ça, je suis désolée. Tu crois que c'est une voiture ou quoi, merde? Mais non. Je préfère mon verre à moi, hein. Tu vois le... Hein? Gentleman? Eh? Allez. Daniel Craig? C'est ça. Ok. Ce petit côté-là. My name is Bond, 007. Ouais! Ouais! Wouhouhou! Attends, hé oh! Ah, tu le mets pas dedans? Quoi? Non! Là! Ah non, ça c'est pour évacuer l'eau. Mais oui, ça c'est pour l'arrivée d'eau. Là, il va me bouffer le film là-haut. Allez, t'es prêt? Non mais arrête tes conneries, donne-moi pas de kilos. Merci beaucoup, bonne soirée. De rien. Il est fou.